wanna hurt you. Ain't nobody but I die. I wanna wait for nobody. Police wanna hurt you. I just wanna dance with you, mommy. I put my hands on your body. Don't be scared, don't you cry. I wanna wait for nobody. I just wanna dance with you, mommy. I put my hands on your body. Don't be shy, don't you worry. Hey, Tabi, Maïta, Sabrina, comment vas-tu? Ah, il est bonheur là, il est bonheur en France. Allô, Myriam. On va attendre un petit peu, on va commencer. Je vous garde pas longtemps, les amis. Il est présentement 3h30 du matin pour moi. So, c'est l'heure du dodo, là. Myriam, j'ai mis un beat pour toi, là. C'est pour toi, Myriam. Oh yes. Allô, Jennifer. Et Maïta. All right. Bon, on va pas attendre pour que la France au complet se réveille. Je voulais faire un petit live ici, tester mon nouveau jouet là. Yes, Marianne. Yes. All right. So, mindset numéro 8, les amis. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de mindset. Kira m'a envoyé un message aujourd'hui sur l'autre live. Elle a dit, Danny, il faut que tu fasses des mindsets. Recommence avec tes mindsets. Ah, il est quelle heure là? Chez moi. Ah, ok, ça c'est Tahiti. Yes. All right. Bonjour tout le monde, c'est qui ça? Bonjour Vanessa, bon matin. Petit déj, hein, un petit café, on se réveille. Yes, ambiance ce matin. All right. So, mindset numéro 8. Êtes-vous coachable? OK? Ça, c'est très important. Êtes-vous coachable? J'ai eu une discussion ce soir avec David. On a parlé au téléphone au moins, un bon deux heures. Et la conversation était un peu de tout, mais vraiment le focus était sur être coachable, être capable de prendre des critiques, OK? J'ai posé la question, je lui ai dit, écoute, toi, comment tu coaches, right? Comment toi, si toi, tu serais un partenaire chez P2S, ça serait quoi ta façon de travailler? Ça serait quoi ta méthode en tant que leader? OK? J'essaie toujours d'améliorer mon leadership. Alors, je me suis dit, tiens, bon, regarde, qui d'autre que David, quelqu'un qui a monté plusieurs fois en haut d'une compagnie pour me coacher à devenir un meilleur leader? Et une des choses qu'il a mentionné qui a fait beaucoup de sens,
C'est, il dit, Danny, c'est pas juste qu'est-ce que moi je peux t'apporter en tant que leader, c'est pas qu'est-ce que moi je peux te dire. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce que toi tu peux accepter, comment toi tu vas l'interpréter et comment tu vas réagir. Right? Comment tu vas réagir. Alors, je vous dis, les amis, suggestion pour vous, allez voir votre marraine, votre parrain, OK? Et dites-leur, OK? Écoute, j'aimerais être coaché. Je veux être coachable. OK? Et expliquez votre façon, c'est quoi votre interprétation d'être coaché. Parce que je veux dire, moi, personnellement, je peux vous dire que Brice, c'est quelqu'un que je coach beaucoup, right? Et j'ai jamais demandé vraiment à Brice comment il voulait être coaché de moi, right? Parce qu'on n'a jamais eu cette discussion-là. Ça a juste été, regarde, je pars, je dis, mais tous les deux, on a une amitié, on a une façon de travailler que on peut tous dire, right? Il y a aucun stress. On peut tous dire, on peut parler n'importe comment. On peut dire, utiliser des mots vulgaires. On peut monter la voix. Ça n'arrive quasiment jamais, là. Mais il y a rien qui va faire que je pourrais dire quelque chose qui va le frustrer ou il y a rien que lui peut dire pour me frustrer. C'est toujours, on essaie toujours d'écouter, de voir c'est quoi le message, right? Alors, mais pour certaines personnes, c'est important de leur demander avant. OK? Alors, la leçon d'aujourd'hui, ça serait vraiment poser la question, dire que oui, je suis coachable, mais il y a une façon que je peux accepter qu'on me parle ou qu'on me dise des choses, ou peut-être je suis quelqu'un qui est fragile. OK? Alors moi, j'ai dit à David, je dis, écoute, dis-moi, OK, peu importe qu'est-ce que tu me dis, peu importe comment tu me le dis, inquiète-toi pas pour moi. Moi, je suis ton général. Right? Moi, je suis ton général. Je vais copier-coller exactement ce que tu me dis. Je vais pas critiquer. Je vais pas douter. Moi, je suis et that's it. OK? Je vais être un bon soldat. That's it. Right? Et il n'y a pas rien que tu peux dire qui va me faire sentir mal à l'aise ou peu importe. OK? Je suis quelqu'un qui est très fort mentalement et plusieurs fois, ça l'est déjà arrivé que il m'a dit quelque chose ou moi, j'ai dit quelque chose. Et il y a eu on n'a pas eu l'entente. On n'a pas eu du « oui, t'as raison ». On a eu comme « non ». Tu comprends? Et ça va arriver, ça aussi. Alors, plusieurs fois, David va me dire quelque chose, vous êtes comme « non ». Mais j'essaie de voir son angle pour dire « OK, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais forcément, qu'est-ce qu'il dit? Il y a quelque chose, il y a un message que je dois comprendre. Right? Il y a un message que je dois me dire « OK, il me dit pas ça pour rien ». Right? Le mec a qu'est-ce que moi j'ai pas. Right? Le mec a une fortune que moi j'ai pas. Le mec s'est rendu au top de 3 différentes compagnies et moi je l'ai jamais fait encore. Alors qui suis-je pour dire c'est pas bon qu'est-ce qu'il me dit, right? Alors même si je suis pas totalement d'accord, il faut que je cherche en dedans de moi, dans mon mindset, faut que je me dise OK, il y a un message dans qu'est-ce qu'il me dit. Ouais, il y a un message, right? Et ce message est important, right? Ce message est important. Alors, quand vous allez parler à vos partenaires, OK, je vous dis, numéro un, posez-leur la question, toi, OK, si je dois l'expression te botter les fesses, est-ce que je peux te dire franchement qu'est-ce que je pense? Si tu me dis, ah, ben aujourd'hui, je vais aller faire X, est-ce que moi, je peux te dire franchement qu'est-ce que je pense pour t'aider ou toi, tu préfères que je te laisse faire tes propres choses? Et là, la question, êtes-vous coachable? OK? Êtes-vous coachable? Alors, très important de poser la question. Et là, vous allez savoir avec quelle sorte de partenaire que vous avez. OK? C'est faut savoir avec quelle sorte de personne vous travaillez avec. Vous ne connaissez pas ces gens-là. La seule chose que vous connaissez, c'est peut-être leur pourquoi. Right? C'est peut-être leur pourquoi. Oui, exactement, Jennifer. Il faut écouter ceux qui ont réussi. Alors, la seule chose que vous savez vraiment présentement de vos partenaires, c'est leur pourquoi qu'eux ont dit oui à P2S. Leur why. OK? Peut-être que vous connaissez leur nom. Ils ont 2 enfants. Ils ont un chien qui s'appelle Filou. Ils ont un poisson qui s'appelle, Mota. OK? Mais vous ne les connaissez pas plus que ça, right? Et surtout pas en business. Vous n'avez peut-être même pas demandé la question s'ils ont déjà fait du marketing de réseau ou s'ils ont déjà eu du succès dans le marketing de réseau.
Right? Vous avez tellement été excité quand la personne a signé, elle a dit « Wow, voici la formation, voici le groupe Pedas Forever, bla bla bla, voici mon upline, bla bla bla. Ok, let's go. Va chercher tes 3, va chercher tes 4, bla bla bla. Go, 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 il y a un bonus, bla. » Et vous n'avez jamais pris le temps de dire « Bon, merci d'avoir dit oui. As-tu déjà fait du marketing de réseau? Si oui, où? Combien de partenaires as-tu parrainé personnellement? Quelle était ta... Comment as-tu parrainé ces gens-là? C'était quoi tes techniques? Right? As-tu déjà suivi un cours de mentorat? As-tu été éduqué de manquer de réseau? As-tu fait du développement personnel? Right? Toi, normalement, ton ancien upline et toi, comment travaillez-vous ensemble auparavant? Posez les questions pour savoir avec qui vous faites affaire, pour savoir comment vous allez avancer avec cette personne-là. Si la personne vous dit « Oh, moi puis moi, ma marraine, on se parlait pas. Moi et mon parent, on se parlait pas. » Votre réaction va être « Ouh, OK, peut-être qu'il y a un problème. » Et peut-être qu'ils vont vous dire « Non, c'est parce que moi, j'aime pas avoir de boss. Moi, je veux pas que personne me dise cric-crac. OK? Moi, je fais comme je fais. All right? Moi, je fais... je fonctionne comme moi, je veux fonctionner. Moi, je suis franc avec mes partenaires. Je peux blesser par moment, mais au moins, je dis la vérité. C'est toujours pour le bien. Désolé, les amis, ça s'est déconnecté, je suis de retour. Alors, si quelqu'un peut me dire si le son et l'image est de retour, ça serait apprécié, mettez-les dans le chat. Junior, tu peux me dire si tout est bon ou Vanessa. J'ai eu une petite déconnexion. Toujours être transparent. Oui, Jennifer. Ah, Jennifer est en feu ce matin, là. Est en feu ce matin. Yes, ça fonctionne. OK, merci. So, très important d'être franc, d'être transparent et poser les bonnes questions à vos partenaires. All right? OK? Parce que vous devez savoir avec qui vous faites affaire. Vous n'avez pas ce temps-là. Alors, là, je vois plusieurs personnes sont d'accord. Oui, il faut être transparent, il faut poser les bonnes questions. OK? Et à ce moment-là, vous allez trouver votre binôme. Comme que, c'est un mot que j'ai découvert ici avec les Français. Vous allez trouver votre binôme, vous allez trouver une personne, vous allez dire, OK, elle pense comme moi, elle est franche, elle est directe, OK? Et je peux travailler avec cette personne-là. All right? Et à ce moment-là, vous allez mieux travailler, vous n'allez pas avoir le stress de dire, vous envoyez un message à votre partenaire, et votre partenaire, elle est comme, elle vous répond pas, puis là, vous dites, ouh, est-ce que j'ai mal parlé? Je vais faire une capture d'écran, j'envoie à quelqu'un d'autre, regarde qu'est-ce que je lui ai envoyé. Non. Premièrement, conseil d'amis, OK, faites pas des captures d'écran, les amis, pour envoyer à gauche et à droite. Et si vous le faites, toujours par en haut, jamais par en bas, right? Toujours au upline et jamais au downline. Et si vous le faites par en haut, OK, faites sûr de cacher les noms, les photos, comme ça. Il n'y a pas de nom, c'est juste une question que vous voulez poser. Écoute, voici la réponse que j'ai eue. C'est quoi ton opinion? Je ne vais pas te dire c'est qui, parce que je veux garder le côté professionnel de notre business. Alors, toujours cacher le nom, toujours cacher l'information, la photo et tout, et toujours remonter par en haut. All right? So, très important d'être coachable, très important de savoir avec qui vous travaillez avec. Alors, allez voir votre marraine, votre parrain, et dites, écoute, je ne sais pas si tu as vu le mindset numéro 8 de Danny, mais moi, je veux te dire que je suis très coachable. Ouais, je suis très coachable et je veux que tu me dises exactement comment réussir ou bien peu importe, peut-être que tu n'as pas eu de succès non plus, mais je veux que tu me dises comment toi, tu fonctionnes et à quoi m'attendre. À quoi m'attendre? Mais allez voir des gens plus haut si votre marraine ou votre parrain n'est pas encore qualifié, vous pensez qu'elle n'a pas encore l'expérience pour être votre leader, mais elle est signée avec cette personne-là. Remontez un peu plus haut et dites, écoute, je suis dans ta ligne faible ou dans ta ligne forte, peu importe. J'aimerais ça apprendre de toi.
c'est-tu possible? Est-ce que tu as le temps de me coacher, oui ou non? Et ça se peut que la personne vous dise oui, comme ça se peut que la personne dise, écoute, j'ai pas le temps présentement, mais demandez. Right? Ça coûte rien de demander. Alors, Sylviane, c'est pas toujours évident, en effet, de travailler avec une équipe. Oui, exactement, Sylviane, c'est pas toujours évident. Et j'aimerais rajouter que ça, c'est un merci, by the way. Tu me fais passer à quelque chose que je voulais parler aussi. Merci, Sylviane. J'ai eu quelqu'un qui m'est revenu hier et m'a dit, écoute, Danny, est-ce que je suis pris dans l'équipe que je suis? Non. OK? Et quand je dis non, je dis pas dans le sens que vous pouvez bouger d'équipe physiquement en termes de votre numéro d'identification. Mais vous pouvez choisir de travailler avec d'autres personnes ou de vous n'êtes pas obligé de travailler avec le groupe que vous avez rentré ou commencé avec. All right? Alors, exemple. OK? Moi, je parraine... je sais pas à qui je pourrais parrainer ici. On va dire parraine junior. All right? Oh non, Vietilo. Hey, Vietilo, bon matin. On va dire que je parraine Vietilo directement. OK? Et moi, je fais un groupe Messenger avec Vietilo et les autres partenaires que j'ai dans ce groupe-là. All right? Mais... Vietilo, il s'entend pas bien avec le reste des membres du groupe, ou peut-être il découvre qu'après une semaine ou deux, qu'il dit, tu sais quoi, Danny, t'es pas mon style, t'es un peu, je sais pas trop, mais regarde, je sais que je peux pas canceller mon compte pour recommencer ailleurs, mais j'aimerais ça travailler avec quelqu'un d'autre. Exemple, il y a quelqu'un que j'ai vu, que j'ai entendu, que je t'ai vu sur un live avec, et son nom c'est Brice. Et j'aimerais plutôt travailler avec lui. Est-ce possible? Ben, la réponse est oui. C'est sûr que ça dépend si Brice veut travailler avec toi, si lui, c'est dans sa lignée, est-ce qu'il y a un bénéfice pour lui de travailler avec toi? Tout ça, ça tombe en effet. Mais si Brice est dans la même lignée, right? Alors que lui aussi va profiter du succès de Vietilo, et que Vietilo dit, écoute, ben moi, je travaille avec Brice au lieu de travailler avec toi, Danny, parce que tu me saoules avec tes chansons. Ouais, ah, pas de problème. travaille avec Brice. Tu comprends? Vous êtes en charge de votre propre business. Alors, si vous êtes dans un groupe Messenger puis vous dites, wow, elle me saoule ou il me saoule, OK? Vous faites le bouton, je sors du groupe. Vous partez votre propre groupe. Vous trouvez des gens à qui vous aimez travailler avec, pourvu que c'est pas Crossline, parce que ça peut être dangereux. OK? Et Crossline, c'est lorsque vous travaillez avec une autre équipe qui est pas dans votre lignée, il n'y a aucun bénéfice. Ça peut être dangereux. Alors, 99.999999999, essayez de rester dans la même lignée et poser des questions, remonter en haut pour voir qui en haut ou qui en bas de vous veut travailler avec vous. Okay? Essayez pas d'aller à gauche ou à droite dans une autre lignée complètement différente parce que ça cause des embrouilles. OK? Ça cause des embrouilles, ça peut faire que quelqu'un dit « Ah, regarde, moi, je l'aide, mais elle n'est pas dans mon équipe. Alors, j'aimerais ça qu'elle, elle bouge, elle vienne dans mon équipe. » Ça se fait pas, les amis. Right? C'est pas une option. Alors, s'il vous plaît, ne demandez pas de changer de branche. On ne peut pas changer de branche. Comme je dis, on peut travailler avec n'importe qui, mais c'est compliqué quand on fait de la crossline. Alors, remontez en haut. Et je vous dis, quand vous remontez, il va toujours avoir quelqu'un qui va vouloir travailler avec vous. Vous allez trouver quelqu'un qui a le même mindset que vous, qui va dire, ah oui, je te comprends et je suis là pour t'aider. Que ce soit un star, un deux star, un trois star, un quatre star, un ambassadeur, vous allez trouver quelqu'un pour vous accompagner, pour vous aider. Mais la meilleure solution en tout temps, c'est de créer votre propre équipe. C'est la plus simple. Okay? Et votre équipe commence avec vous, numéro un. OK? Alors, vous dites, OK, moi, je sors de ce groupe Messenger-là. À partir d'aujourd'hui, ceux que je vais parrainer, je vais avoir mon propre groupe. Et ça va s'appeler groupe oreiller, groupe, le nom du groupe est groupe drap, groupe savon, groupe papier toilette, peu importe. Partez votre propre groupe et c'est toujours la meilleure solution. All right? Alors, je vois un message ici. Merci. Le même objectif, même vision. Merci, Vanessa. By the way, Vanessa, go and add the app. I want to see your picture. All right. Oh, je vois qu'il y a la team relou. Allô, Sandra, comment vas-tu? Emmanuel, comment vas-tu? Coucou. Allez, quand vous rentrez sur le live, il y
il y a une option en haut de l'écran pour rajouter l'application. OK? Dites oui à rajouter l'application. Comme ça, je peux voir votre photo sur les lives. Vous pouvez juste aller sur Facebook puis rajouter StreamYard. Alors, je sais pas si je peux. Moi, je n'ai pas l'option d'écrire dans le chat ici. Mais allez rajouter l'application StreamYard. StreamYard. Comme ça, je vais voir votre beau visage ici sur le chat. OK? So, alors ça, c'est mon mindset pour vous aujourd'hui. Alors, si vous avez des commentaires, si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, je vais rester quelques minutes, mais je voulais vraiment passer le mot de mindset, être coachable. Très important, on a toute notre opinion. OK? Et Mélissa, bon, Mélissa, terminé. Où Mélissa? Bon. Yeah. Allô, Mélissa, merci pour ta photo. T'as rajouté l'application. Mets-le dans le chat. OK, je vais le mettre sur mon téléphone. Je vais le mettre sur mon téléphone. Ah, merci. Merci, Junior l'ami. Good. Good, good, good. Team Excellence. Yes! Junior! Bon! Maintenant, on peut voir Junior. Alors, Junior, mets-le dans le chat rapidement. Ton opinion là-dessus, être coachable, OK? Mindset numéro 8, être coachable, c'est quoi ça veut dire pour toi? Est-ce que si tu avais un mot à rajouter? Et William, merci à toi aussi. William est une partenaire qui est là depuis tous les débuts, les amis. Je sais que tu vas péter le feu très bientôt. Tu ne lâches rien et tu es très apprécié. Continue, ne lâche pas. Le succès s'en vient pour toi, je le sens. C'est très, très proche. On avance ensemble. Yes, yes. All right, all right. Ah, merci à toi aussi. Merci à toi aussi, Manita. Ah, tu mets toi dans la place. All right. So, si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, mettez-le dans le chat. Je reste encore quelques minutes avec vous. Aussi, donnez-moi votre opinion. Est-ce que vous aimez ce format? Normalement, j'ai le format Zoom que je connecte, mais est-ce que vous aimez ce format-là? Inquiétez-vous pas, mon salon, je vais toujours avoir boule de feu en arrière. Et les autres types de background que j'ai d'habitude, c'est juste aujourd'hui. Regardez, j'ai même... on va faire un petit switch. Wow! Ensemble! Ensemble! Ouais! Et que j'ai hâte, que j'ai hâte, que j'ai hâte, les amis. Je sais pas c'est quand ça va être notre prochain événement d'équipe, mais j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai très hâte. Et ça va être le feu. Je sais qu'on va avoir deux fois plus de personnes qu'on a sur cette photo-là. Mais j'ai très, très hâte. Mais dites-moi, laissez-moi savoir si vous aimez le type journal. Je préfère cette application. OK, good, good. Right, c'est super. On a l'impression d'être au Journal TV. Alors ici, on a des yes. All right. Daniel est en feu. Mélanie Guionnet. Oh, allez là. Et all right. Ambassadrice, merci pour ce super live, comme à chaque fois, et pour cette super motivation du matin. C'est une fois est très sympa. Good, good. Ben, j'apprécie. Regardez, on essaie toujours d'évoluer, right? On essaie toujours d'évoluer. Alors oui, la conversion, on a hâte. Ah, Emmanuel, go get the app! J'aurais aimé savoir ta photo. Désolé, OK, pas de problème. Pas de problème. Ceux qui peuvent pas. Oh, Vanessa, you can't? Really? Oh, no. I'm gonna talk to you in time out. So, good. Et tu vois, j'ai parlé de ça, William, aujourd'hui aussi, hein. Très bon point. Ta marraine t'a quitté. Elle nous a quitté. Mais toi, tu es toujours là. Toi, tu es toujours là. Et on a tellement de succès. J'ai dit ça sur le live, plus tôt aujourd'hui. Comme quoi que on a le succès des gens. Alors, on avait une deux stars tantôt qui vient, Maïté qui est montée deux stars et pas sa marraine, mais la marraine de sa marraine nous a quitté aussi. Mais on dirait qu'à chaque fois que les gens
quitte, ils amènent toujours des bonnes personnes qu'on veut travailler avec. C'est super. C'est super. Yes! Yes, Danny, nouveau présentateur TV. Hey, I'm building my swag. I'm building my swag. All right. OK. Bon, ben, les amis, il est présentement presque 4 heures du matin. Alors, where's the suit? Who's that, Vanessa? Yeah, I forgot my suit with this picture. Oh. Non, je vais retourner dans mon salon. All right, retourner dans mon salon, on va juste piano, les amis. Too much sauce. Oh, let's go. Too much sauce. All right. So, je vais vous revoir plus tard aujourd'hui. Je vais faire un autre live de ma page et on va partager, les amis, on va partager. Alors, je vous reviens à... Je vous dis soit 17h ou 18h, all right? 17h ou 18h. Entre 17h et 18h, c'est quoi? Je pense que je vais mettre pour 18h. Vous me donnez la chance. Alors, 18h, les amis, je vais vous revenir. On fera un live et on va mettre des likes. On va faire un petit débat. Yes, Sébastien. Yeah, Z. Écoutez, j'essaie d'être au top. Kira avait demandé un autre mindset. Alors, j'ai fait un mindset. J'ai pris note et j'ai fait un mindset. On a fait adhérer 4 personnes. Merci à toi, Wilea. Oh, nice, Junior. Regardez, aujourd'hui, il faut vraiment que je bosse aujourd'hui, là. Parce que là, t'es en train de tout déchirer, là. Sans moi. Ça change de corona, les infos. Je sais, hein? Bientôt, peut-être que j'allais chercher la limonade aujourd'hui, là. Oh, all right. Bon, alors, allez partager ce live, les amis. Mindset numéro 8. Alors, je vais le terminer pour que ça soit trop long, parce que quand c'est trop long, les gens n'écoutent pas les vidéos complètes, déjà 28 minutes. Et je vois mon timer, mon live. Alors, je sais exactement combien de temps. Alors, j'essaie de garder ça en bas de 30 minutes. Et les mindsets vont être en bas de 10 minutes. All right? Too much sauce. Attends, pour toi, Junior. Terminé. Too much sauce, hey Junior. And you, too much sauce. All right, tout le monde. Boss mode, je vois plus tard. Too much sauce.